Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, c'est encore moi, je reviens à mon rendez-vous comme je vous avais promis. Eh bien, je vais revenir tout le temps pour vous informer, pour vous apporter les nouvelles de l'actualité, de ce qui se passe concernant notre pays, concernant le peuple congolais, concernant le président de la République, soi-disant le président de la République Sassou Nguesso. On peut l'appeler comme ça parce que jusque-là, c'est lui qui gouverne ce pays à sa façon, à la façon génocidaire. Et donc, voilà, ce soir, je viens vous parler, je viens pour essayer d'informer et essayer de parler à mon peuple et demander à mon peuple de ne pas avoir peur. Demander aux Congolais de se réveiller. Demander aux Congolais, il est temps de se réveiller, se lever, la main dans la main, pour faire la marche, une vraie marche, pour déstabiliser le gouvernement de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso en lui-même, il ne va jamais quitter le pouvoir parce qu'il est assoiffé de ce pouvoir, il est habitué à ce pouvoir, il ne peut rien faire, il ne peut continuer sa vie sans ce pouvoir. Parce qu'il ne sait que, il ne sait pas faire autre chose que gouverner dans le système de la tuerie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens faire un appel, demander au peuple congolais de se lever, de ne pas avoir peur, de ne pas reculer, de se tenir la main dans la main pour essayer de sortir notre pays dans cette crise, dans cette difficulté qui se trouve aujourd'hui. Bien sûr que le président, il se contredit lui-même. Un jour, il y a la crise. Un jour, il n'y a pas la crise. Un jour, on demande la réconciliation. Un jour, on demande le dialogue. Un jour, non. Un jour, on demande à Tomé de sortir. Un jour, non. Donc, finalement, il ne sait même pas ce qu'il veut, ce qu'il fait, où il veut emmener le peuple congolais. Donc, je demande... Les Congolais, la résistance, les combattants, ne baissant plus les bras et ne reculant plus, il est temps du réveil. Les combattants, les Congolais, les résistants, les compatriotes, les partisans de la paix, ceux qui se battent pour la démocratie, il est temps de se lever. Il est temps de se lever parce qu'en ce moment, Denis Sassou Nguesso est bancal. Il est bancal, il est presque déstabilisé. Il se maintient par le groupe de personnes qui est derrière lui, qui lui demande de rester par la force parce qu'ils ne savent pas quelle porte prendre pour sortir de ce gouvernement, pour sortir de leur système qu'ils ont instauré dans ce pays, le système de la tuerie, le système de l'instabilité, le système de la mafia, s'il faut les appeler. Donc, mes chers compatriotes, moi, je suis où je suis devant ma caméra, je mène mon combat à ma façon et à cette façon et que j'invite à tous les Congolais de faire comme moi, à leur façon aussi. Toute personne peut mener son combat où il est. On n'est pas obligé de repartir au Congo, on n'est pas obligé d'être au Congo pour mener notre combat. Justement, là où nous sommes, les nouvelles, les informations que nous dispatchons, c'est ça qui fait que aujourd'hui la communauté internationale, le monde entier est au courant de ce qui se passe au Congo. Parce que au départ, Denis Sassou Nguesso pensait que c'était une petite affaire d'aller attaquer une région, d'aller massacrer toute une région
sans pourtant que les gens puissent être alertés, sans pourtant que les gens puissent en parler, sans pourtant que le monde entier soit au courant. Il a même oublié qu'au jour d'aujourd'hui, avec la technologie, nous avons tous les systèmes pour pouvoir informer, pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir faire communiquer, informer les autres qui sont partout au monde. Et il est tombé dans son piège. Il a pensé que c'était une mince affaire d'aller attaquer une région, envoyer son armée, envoyer toute sa machine, tout son matériel de guerre, aller massacrer cette région, sans pourtant que le monde entier soit au courant. Mais il est tombé dans son piège. Il a tendu le piège à son peuple, mais le piège lui est revenu. Aujourd'hui, Sassou ne sait plus sur quel pied danser. Il fait la force. Et cette force-là, il n'en peut plus. Et il n'arrive même pas à maîtriser son langage. Il n'arrive même pas à maîtriser son propre discours. Il n'arrive même pas à s'exprimer devant la nation, devant la communauté internationale, devant le monde entier. Denis Sassou Nguesso est arrivé à la fin. Je l'ai dit au départ qu'il n'était que question de temps, mais effectivement, le temps arrive, le temps presse, que Sassou ne sait plus quoi faire de ce qu'il a provoqué. La crise qu'il a provoquée aux poules, la crise qu'il a provoquée par lui-même dans cette région du Poule, en voulant exclure, en voulant éliminer cette région, en voulant éliminer le peuple du Poule, mais il s'est rendu compte que aujourd'hui, il ne peut plus sortir de cette situation s'il ne négocie pas avec cette population. Mais ça fait une année et demie qu'il bombarde, qu'il a massacré avec son matériel, soi-disant pour chercher, pour y courir derrière une personne qu'il n'a pas trouvée. C'est qu'il a failli. Il a failli, son armée n'a pas de pouvoir. Son armée ne peut même pas nous protéger, la population. Si une personne vous donne autant de mal, autant de difficultés, mais qu'est-ce que peut nous arriver à la population, si d'autres pays viennent nous attaquer, si un autre pays vient nous attaquer, s'ils n'arrivent même pas à mettre la main sur une personne et ils sont obligés de tuer toute une région parce qu'ils ont besoin d'une personne alors qu'ils ont mobilisé toute une armée. Ils n'ont pas pu mettre la main. Ils sont obligés de massacrer les pauvres personnes. Les innocents, les papas, les mamans, les enfants, tout le monde. Et avec ça, vous dites qu'il n'y a pas la crise. Et par après, vous acceptez la crise. Et pourquoi vous acceptez, vous demandez la réconciliation? Pourquoi vous demandez le dialogue? Pourquoi vous demandez à Toumi de venir se présenter pour les faits qui n'a pas commis, c'est vous qui avez commis le massacre dans le Poule. C'est vous qui avez envoyé votre armée, qui envoie jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vous qui avez envoyé vos hélicoptères aller massacrer les pauvres gens qui sont dans cette région. L'instabilité qu'il y a, l'insécurité qu'il y a à Brazzaville, c'est pas Toumi. Et aujourd'hui, vous demandez la réconciliation. Mais cette réconciliation, avant de demander, c'est vous devez demander d'abord pardon au peuple congolais. Vous devez demander pardon à cette région que vous avez massacrée. Vous allez demander pardon. C'est vous, c'est pas Toumi qui a tué, c'est vous qui avez tué vous, Sassou Nguesso. C'est vous qui avez tué. C'est pas à Toumi de venir. Toumi va s'excuser en quoi? Qu'est-ce qu'il a provoqué, Toumi? Qu'est-ce que vous lui reprochez?
d'avoir refusé d'accepter la modification de la Constitution. C'est ça que vous lui reprochez. Vous demandez à Tumi de venir s'expliquer, de venir se présenter devant la justice. Est-ce que c'est Tumi qui a tué? Tumi se défend. Tumi se défend. Toute personne qu'on vient attaquer chez lui a le droit de se défendre. Toute personne, même moi, là où je suis, on vient m'attaquer chez moi. Peu importe ce que je trouverai devant mes yeux, devant ce que j'ai, je vais me défendre. Self-defense. Je le ferai. Et Toumi n'a fait que ça. Et il continue à le faire. Merci, monsieur le pasteur Toumi. Parce que nous avons besoin des gens comme vous. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas eu à faire cette résistance-là, il n'y aurait pas. Sassou ne serait pas exposé devant la communauté internationale. Sassou ne serait pas humilié devant le monde entier. Et aujourd'hui, il nous parle de la paix. De quelle paix nous parles-tu, toi? Sassou, quelle paix que vous avez déjà établie dans ce monde? Quelle paix que vous avez établie en Afrique? Vous avez été président de l'OUA. Qu'est-ce que vous en avez fait? Rien du tout. Tout ce que vous savez, c'est acheter les gens, manipuler les gens avec l'argent. C'est pas d'ailleurs pour ça que le Congo est endetté à plus de 5 millions de dollars ou 5 milliards de dollars. Je ne peux même pas chiffrer ça parce que c'est tellement gros pour moi. Pourquoi? Parce que vous voulez acheter les gens. Vous êtes toujours en train d'acheter, de magouiller. Et aujourd'hui, vous êtes exposé. Et vous vous êtes exposé vous-même avec votre bande. Donc, le peuple congolais, aujourd'hui, moi, voilà ce que je porte. C'est l'habit du combattant. L'habit du combattant. Je suis combattante. Je combats pour mon pays. Je combats pour mon pays. Tant pis pour ceux qui pensent que je dois revenir au Congo pour combattre. Mais là où je suis, je mène une guerre et je combats mon pays. J'informe. Le fait que je sois devant ma caméra pour parler, pour informer. S'il y a une personne qui me suit, c'est déjà une personne en plus qui va s'informer. Et cette personne va informer les autres. Et c'est comme ça que les nouvelles vont dans le monde entier. Donc, chacun fait son combat à sa façon. Toute personne qui pense qu'il fait un combat pour le bénéfice de la population, pour le bénéfice du peuple congolais, là où qu'il est, là où qu'il se trouve, c'est un combat. Vous avez déjà contribué à ce combat pour sortir le Congo de cette difficulté, pour sortir le Congo dans ce massacre que Sassou nous a imposé. Sassou, vous avez commencé une guerre, vous avez commencé une crise, peu importe comment est-ce que vous allez l'appeler, mais vous allez la finir. Vous allez la finir. Le peuple congolais ne va plus se soumettre à vos conneries, à vos tueries, à vos massacres. Le génocide que vous avez commis, eh bien c'est vous qui allez comparaître devant la Cour internationale. C'est à vous. Toumi n'a fait que se défendre. Toumi n'allait pas attendre que vous venez le tuer, puisque jusqu'à aujourd'hui, vous tuez tous les Congolais à cause de Toumi, parce que vous cherchez Toumi. Et il n'a pas le droit de se, il n'a pas le droit de se défendre. Il n'a pas le droit de se protéger. Vous vous protégez. Vous avez des garde-corps. Vous avez même la sécurité plus que tous les présidents du monde entier. Vous craignez quoi? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous avez fait au monde entier pour avoir cette sécurité et avoir peur de ta propre population qui pense que puisque tu dis qu'on t'a élu
avec 98%. Donc, c'est les 2%-là qui font que tu aies cette sécurité, que tu aies cette garde présidentielle, qui est une garde, presque c'est toute la population qui te garde. Tu as été élu à 98%. Donc, tu n'allais pas avoir peur. Tu n'allais pas craindre. Pourquoi tu crains? Tout ce que tu sais, c'est tuer, Denis Sassou Nguesso. Tout ce que tu sais, c'est tuer. La communauté internationale, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. De toutes les façons, maintenant, vous êtes au courant, puisque là où il passe, vous ne le laissez même pas la possibilité de s'exprimer, parce que vous savez ce qu'il fait dans son pays. Vous savez que c'est un assassin. Vous savez que c'est un génocidaire. Vous savez que c'est un terroriste. Il dit que c'est les autres qui sont des terroristes. Il va combattre le terrorisme, lui. Lui-même, il est terroriste. Comment il va combattre le terrorisme? Comment est-ce qu'il va combattre ses amis terroristes? Étant donné qu'il est lui-même terroriste. Sassou, de toutes les façons, on ne t'écoute même plus. On sait que tu es mythomane. Tu te contredis toi-même. Tu contredis tout ce que tu dis. Aujourd'hui, tu vas dire quelque chose. Demain, tu vas te contredire. On va te poser la question, comment ça se fait-il que vous êtes là depuis 40 ans? Tu ne sais pas. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là depuis 40 ans, comment veux-tu gouverner un pays dont toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu es à la présidence? Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu diriges ce pays? Tu ne sais pas. On ne dirige pas un pays par la chance, parce qu'on a une chance. On dirige un pays par rapport à une ligne de conduite, par rapport à ce que vous apportez à votre population. Mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes à la tête de ce pays qui est le Congo. Mais on vous vote, hein? Vous êtes élu à 98%. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes élu à 98%. Sassou, nous allons plus vous laisser de l'espace. Toi, tu as des armes. Nous, on n'a pas des armes. Mais on a la tête, on a la bouche, on a la langue pour informer, pour faire circuler les informations. Nous, on a ça. On a la langue, on a la tête pour informer la population. Tu as terrorisé la population. Le peuple congolais n'arrive même pas à dire ce qu'il pense. Et c'est ça que tu appelles la démocratie. Moi, mon combat, il est pour la vraie démocratie. Pour la vraie démocratie au Congo. Nous allons instaurer la vraie démocratie au Congo. Car on ne peut pas garder un président pendant 40 ans. On ne peut pas garder un président pendant plus de 30 ans. C'est impossible. Peu importe aussi bon que vous pouvez être, un président ne peut pas rester à la tête d'un pays pendant plus de... Ce n'est pas la monarchie. Ce n'est pas l'Empire du Congo. Pour penser qu'après vous, ça serait votre fils. Le Congo n'appartient pas au Sassou. Ce n'est pas la tête Sassou-Land. Mes chers compatriotes, les Congolais, levez-vous. Le moment est arrivé pour qu'on puisse se lever, faire une marche pacifique. Nous allons faire une marche pacifique. Si cette marche pacifique est que le gouvernement riposte avec les armes, mais la population sera obligée de se défendre. La population sera obligée de se défendre. Mais n'ayez plus peur. N'ayez plus peur, la population congolaise, le peuple congolais. La communauté internationale est avec vous. Mais la communauté internationale pourra faire quelque chose que si vous-même, vous êtes
Si vous-même, vous prouvez l'amour et vous prouvez que vous prouvez que vous voulez sortir de cette situation, de cette impasse, qui est autre que la dictature de Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, faisons la résistance pour l'avenir meilleur. Plus besoin d'attendre. Debout pour la vraie démocratie. Debout pour la vraie démocratie. Si nous ne faisons pas la marche, qui c'est qui va le faire pour nous? Si nous ne faisons pas la résistance, qui c'est qui va le faire pour nous? Le révérend Toumi a sacrifié sa vie. Ça fait une année qu'il vit dans la forêt. Une année que ce monsieur-là vit dans la forêt, dans les conditions que nous savions tous. Et il y en a qui viennent devant leurs écrans pour nous dire que le président Sassou, il gouverne bien, il y a l'électricité au Congo, les gens. De quelle électricité vous parlez au Congo? De quelle éducation vous parlez au Congo? Il y a la rentrée scolaire. Il y a eu la rentrée scolaire. Les familles ne savent même pas comment envoyer leurs enfants à l'école. Ça fait 9 mois, les gens ne sont pas payés. Les retraités ne sont pas payés. Les étudiants ne peuvent pas étudier, ne peuvent pas aller à l'école. Les enfants ne sont pas capables de repartir à l'école faute d'argent, faute, les parents ne peuvent pas acheter les fournitures de leurs enfants pour repartir à l'école. Et vous nous parlez que ça, c'est la bonne gouvernance? Vous nous parlez de la gouvernance de Sassou, mais vivre dans ces conditions-là, même un jour, c'est trop. Un jour, c'est trop. C'est de la torture. C'est de la torture. Et vous voulez que le Congolais, le peuple congolais, attende 5 ans, 5 ans de plus pour un président qu'on n'a pas élu? Mes chers compatriotes, je me lève tous les jours, je sacrifie mon temps pour venir devant mon écran, pour informer, pour essayer de vous dire ce qui se passe, parce que je sais que vous qui êtes au Congo, vous êtes privés des informations, mais en petit à petit, à compte-gouttes, vous recevez, et nous aussi, là où nous sommes, les informations circulent. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, Sassou n'est plus accepté. Sassou, il est dans sa boule, dans sa bulle, qui ne peut pas s'en sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il invite à la réconciliation. Mais au départ, il voulait même pas de ça. Après avoir tué pendant une année et demie, il demande la réconciliation. La réconciliation, il va construire. Qu'est-ce que. Et déjà, avec tous les gens qu'il a eu à tuer, il pense que moi, ma plaie, moi personnellement qui vous parle, ma plaie, elle est pensée. Il a pensé ma plaie comment? Parce que j'ai eu ma famille. Hein? Quand je parle de ma famille, il y a les peuples congolais, il y a des gens qui sont morts dans le poule. Il va me parler de la réconciliation. Est-ce que ces gens-là, il va les faire revenir dans ce monde? Il demande aux gens, il a fait le couloir sécuritaire pour que les gens sortent avec leurs âmes dans la forêt. Mais c'est un piège qu'il est en train de vous tendre. S'il ne paye même pas les gens qui sont déjà dehors, les gens n'arrivent même pas à se nourrir. Vous qui allez sortir de la forêt, c'est de vous qui va vraiment s'en occuper. C'est un piège. Comme il sait toujours le faire. Sassou, pour les jeux comme Nyoka-Nyoka, il sait le faire. C'est comme un serpent.
Il est en train d'appeler les sages de venir pour la réconciliation. Ces mêmes sages-là, il est en train de les appeler vers lui pour essayer de tendre le piège au révérend Toumi, au pasteur Toumi. Pasteur Toumi, moi je vous dis, faites attention, parce que ces sages-là qui sont partis, avec tous les massacres qu'il a fait dans le poule, quels sont les sages qui sont restés? Quels sont les sages qui sont restés? Quels sages qui sont vivants, qui n'ont pas la douleur en eux, qui ne sont pas blessés profondément? Quels sont ces sages-là qui sont pas, qui n'ont pas perdu leur enfant, qui n'ont pas perdu leurs parents? Quels sont ces sages-là? Quels sont ces sages-là qui vont aller vers Sassou sans avoir les larmes? Quels sont ces sages-là qui vont être aller vers Sassou pour parler de la paix sans pourtant que Sassou puisse s'excuser, puisse se faire pardonner? Quel est ce sage-là? Je ne pense pas qu'il y a un sage au Congo qui n'a pas de pleurs. Je ne pense pas qu'il y a un sage au Congo qui n'a pas de blessures. Je ne pense pas qu'il y a un sage au Congo qui ne pense pas à un parent à lui qui est mort. Parce que ces massacres-là, ces bombes-là, quand il va les jeter ou bien il va les mettre dans le poule là-bas, je ne pense pas que ça choisit les personnes qui sont pour lui et les personnes qui ne sont pas pour lui. Donc les sages du poule, les gens du poule, ils ont tous perdu un des siens. Ils ont perdu un de leurs. Et je ne vois pas quel est le sage qui va discuter avec Sassou, juste en parole. Les sages qui vont se présenter vers Sassou, ce sont nos ennemis, les ennemis du peuple. Ce sont les corrompus. Les sages qui vont se présenter, je le redis encore, les sages qui vont se présenter devant Sassou pour penser qu'ils vont aller dialoguer avec Sassou au Congo, c'est les corrompus. Et Sassou va vous avoir comme il a fait avec tout le monde. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de réconciliation avec Sassou. Sassou, le peuple congolais demande juste votre départ. Il n'y aura pas de réconciliation. Il n'y aura pas de dialogue avec Sassou. Vous l'avez refusé auparavant. Pourquoi vous l'acceptez aujourd'hui? Pour quelles raisons? Quelles sont vos raisons pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait le dialogue, qu'il y ait la réconciliation? Quand vous avez violé la Constitution, quand vous avez volé les élections, en quoi ce dialogue-là consiste? Ce dialogue-là consiste en quoi? Il est couvert de quoi? Ça englobe quoi? Votre dialogue, votre réconciliation. Mes chers compatriotes, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes, ne rentrez pas dans le jeu de Sassou. Ne rentrez pas dans le jeu de Sassou. Parce que Sassou, jusqu'à aujourd'hui, le jeu qu'il fait, il pense toujours que le Congolais, il est bête. Il peut manipuler la population congolaise comme il veut. La jeunesse congolaise est négligée. La jeunesse congolaise est laissée sur le bord de la route. La jeunesse congolaise, ils ont quel avenir qu'ils ont? Quel avenir que notre jeunesse a? J'avais suivi dans un discours lui-même, il avait raconté que voilà,
le Congo en 1979 jusqu'aux années 80, le Congo se portait bien. Mais ça, c'était les années où lui, il était venu au pouvoir. Mais pourquoi est-ce que ça s'est dégradé? Le Congo doit plus de 5 000 milliards de dollars, alors que ça fait des années, le Congo n'a même pas d'augmentation. Les fonctionnaires n'ont pas d'augmentation. On ne peut même pas faire de l'agriculture au Congo. Nous avons de l'eau potable gratuitement. On est béni par Dieu. On a de l'eau qui pouvait nous fournir de l'électricité. On devait avoir même de l'eau gratuitement dans toutes les maisons du Congo, dans tous les foyers congolais. Mais nous n'avons même pas cela. Il a misé que sur le pétrole. Et le pétrole qu'il a misé, c'était que pour lui-même et son groupe et sa famille. En quoi la population congolaise a bénéficié de ce pétrole? En quoi? Le boom pétrolier a bénéficié à qui? Au Sasso, au Nguesso, les milliardaires, les entrepreneurs. Il n'y a que eux qui savent faire le business. Il n'y a que eux qui savent contrôler de l'argent. Il n'y a que eux qui savent faire tout. La tête des autres Congolais ne marche pas. L'intelligence des autres Congolais est concentrée sur les Sassou. Tout Congolais ne peut rien faire. Même quand vous avez une petite idée pour faire quoi que ce soit au Congo, vous arrivez, c'est tout le monde qui vous intercale, c'est tout le monde. Impossible. Mais moi, je me sens fière parce que là où je suis, j'arrive à donner le meilleur de moi-même. Je suis appréciée de mon boulot. Je ne vis pas mal. Pourquoi? À cause de mon boulot, à cause de ma tête. Mais cette intelligence-là, ça ne vient pas du pays où je suis, parce que je suis née au Congo. Donc c'est le Congo qui devait développer mon intelligence. Ce que je donne à ce pays, je devais le donner à mon pays. Mon énergie que je donne à ce pays, le bon service que je fais à ce pays-là, je devais le faire chez moi. Moi, je suis très fière de dire que je suis congolaise, mais j'ai beaucoup de nationalités. Mais ma première nationalité, mon origine, c'est je suis congolaise. Quand on me pose la question, je dis je suis congolaise. Parce que je suis fière de mon pays. Je suis fière d'être congolaise. Et je suis fière de dire que je suis congolaise parce que je rends de ces services dans les gens par rapport aux prestations que je rends ici et que je me dis que je suis congolaise. Je donne de la valeur à mon pays où je suis née. Mes chers compatriotes, je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais pas me fatiguer parce que je pense que j'ai commencé un combat et je dois le finir. Et ce combat-là, je vais me taire le jour que Sassou va quitter ce pouvoir. Il y en a qui disent que vous venez devant vos écrans. Si vous ne parlez pas de Sasso, vous n'allez pas avoir le buzz. Et de quel buzz que vous pensez que... Tu penses qu'avec les occupations que nous avons ici, c'est le buzz de parler de Sasso. Mais moi, quand je parle de Sasso, j'ai envie de vomir. Quand je parle de Sasso, j'ai envie de vomir. S'il n'était pas au pouvoir, s'il ne maltraite pas mon peuple, il maltraite pas ma famille congolaise. J'aurais même pas le temps de prononcer son nom.
parce que j'ai envie de vomir quand je parle de Sassou. J'ai honte pour lui. J'ai honte pour lui, j'ai honte pour sa famille. Et j'ai honte pour les gens qui l'entourent. Quand vous faites vos discours, lui, Sassou fait, vous venez, Sassou fait ci, Sassou fait ça. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous devez vous gêner quand même. Mon appel est aujourd'hui pour dire à tous les Congolais, il n'y a pas eu une résistance sans perte. Aucun pays a fait la révolution sans pourtant qu'il y ait des pertes. Il y a eu du sang, pour sortir un pays d'un système qui est déjà établi. Surtout nous, les Congolais, au Congo, un système qui est établi depuis 40 ans. Le même système. Il y aura des pertes si on veut sortir de là. Si on veut sortir de ce système de Sassou, si on veut se débarrasser de Sassou, il y aura des pertes. Il y aura du sang. Parce que Sassou ne sait pas parler, ne sait pas dialoguer, s'il ne tue pas. Entre parenthèses, je vais vous dire une chose. On a vu une vidéo de sa fille qui s'est exposée. Je m'excuse parce que je ne suis pas là pour parler de la vie privée et je ne m'en réjouis pas parce que je suis une femme. J'aimerais pas que cela m'arrive. Mais cela est arrivé. Ce garçon-là, il est mort. On l'a retrouvé mort. Ça, c'est ce que je veux vous dire, que c'est ce que Sassou sait faire. On est dans un pays de droit. Il y a les lois qui existent. Qu'est-ce qui manquait à cette femme-là, à la fille de Sassou à faire? C'est de porter plainte, atteinte à la vie privée. Et ce monsieur-là, on allait le juger. Il allait payer le prix de sa vidéo. Mais à cela, aller éliminer toute une vie, ça c'est ce que Sassou sait faire. Et c'est ça qu'il a fait passer à ses enfants, à son entourage. Vous parlez, je vous tue. Vous parlez contre moi, je vous tue. Vous parlez de ce qui me dérange, je vous tue. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous tue. La communauté internationale, et je vous le dis tous les jours, je viens, je ne vous exclus pas parce que je sais que vous êtes au courant de ce qui se passe. Cathy Jean, vous savez ce qui se passe. Si vous avez été au Congo, vous avez fait des discours au Congo, vous devez savoir ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous êtes bien intéressé au Congo avant et maintenant on ne vous entend pas. Vous ne dites rien par rapport à ce qui se passe au Congo. Vous êtes des complices alors. Vous êtes tous des terroristes alors. Le gouvernement français, je m'adresse aussi à vous, parce que nous sommes colonisés par les Français, vous savez ce qui se passe, vous connaissez les secrets congolais qui se passent au Congo. Donc vous savez ce qui se passe, vous n'allez pas me dire, parce que tous les médias en parlent de ces massacres du poule depuis une année. Et vous allez nous dire que vous n'êtes pas au courant? Si vous arrivez à l'inviter dans des réunions comme l'ONU, des réunions des assemblées, je ne sais pas de quoi. Mais avant d'inviter une personne comme ça, vous devez savoir son identité. Vous devez savoir ce qu'il fait dans son pays. Vous n'allez pas faire rentrer n'importe qui dans votre territoire. Surtout au jour d'aujourd'hui où on craint les terroristes. Sassou, c'est un terroriste, je vous le dis tous les jours, c'est un terroriste. Il terrorise sa population. Il terrorise sa population.
Il massacre, il veut même éliminer toute une région. Et vous allez nous dire que vous n'êtes pas au courant. Si Donald Trump est au courant, Donald Trump ne veut même pas le recevoir. Et vous, la France qui est à côté du Congo, vous n'êtes pas au courant. L'Union européenne, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes des complices, vous êtes tous des terroristes alors. Vous êtes tous les terroristes. Parce que c'est vous qui maintenez ces dictateurs-là au pouvoir. Mais ce que vous oubliez, c'est que vous maintenez ces terroristes-là au pouvoir, mais c'est vous qui allez avoir les terroristes chez vous. Parce que toute cette population-là qui se déplace, qui vient chercher la sécurité chez vous, où c'est que vous allez les mettre? Où c'est que vous allez les mettre? Une personne ne peut rien craindre quand il n'est pas à côté de sa famille. Moi, je crains, si je ne crains pas mes parents chez moi, je ne crains personne au dehors. Donc, si ces gens-là quittent leur pays parce qu'ils sont, ils deviennent orphelins, parce que quand ils quittent leur pays, ils ne viennent pas avec toute la famille. Il y en a qui viennent tout seuls. Vous pensez que vous pouvez maîtriser les gens comme ça? Par rapport à vos lois? Cherchez à résoudre les problèmes à la racine. C'est là le vrai problème. La racine, c'est quoi? C'est essayer de voir avec les dictateurs qui poussent leur population à l'exil. Vous devez voir avec les dictateurs qui poussent leur population à l'exil. Ils viennent chez vous pour se faire soigner. Ils envoient leurs enfants dans les meilleures écoles chez vous, d'où même ces enfants-là n'arrivent même pas à assimiler correctement, parce qu'on prendra l'exemple de Ali Bongo, dont lui-même il a confirmé qu'il ne savait même pas comment il avait eu son baccalauréat, son bac. Donc, ceci dit que c'est leur diplôme, c'est payé d'avance. Ce n'est pas leur tête qui marche. Ce n'est pas leur tête qui fonctionne. C'est l'argent. Et ces gens-là, après, ils repartent chez eux, ils deviennent les présidents, ils vont diriger les institutions de leur pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ont toujours été poussés depuis leur jeunesse, depuis leur jeune âge, ils ne savent pas fournir des efforts. Mes chers compatriotes, la communauté internationale, vous allez être responsable de ce qui arrive en Occident. Vous allez être responsable de ce qui arrive en Europe. Vous allez être responsable, et vous êtes responsable, parce que je ne vais pas dire vous allez, parce que vous êtes responsable de ce qui arrive. Les morts qu'il y a en France, les morts qu'il y a en Europe, vous êtes les responsables. Vous êtes les responsables de ce qui arrive, l'insécurité qu'il y a en Europe aujourd'hui. Vous êtes responsables. Vous êtes responsables. À cause de l'argent que ces présidents, ces dictateurs vous donnent en dessous les tables, Vous exposez votre population à vous aussi. Parce que ceux qui meurent dans les bombes qu'on va mettre n'importe où là, ce n'est pas vos familles qui meurent. Ce n'est pas vous qui souffrez. C'est d'autres, ceux qui ont perdu leurs enfants dans ces massacres par-ci, par-là. Les Européens, les Occidentaux, vous êtes responsables de ce qui arrive en Afrique. Parce que vous soutenez ces dictateurs. Vous êtes responsable. C'est moi qui vous le dis, vous êtes responsable. Et vous savez que je dis la vérité. Les Congolais, ne baissez plus les bras. Ne baissez plus les bras. Soyons forts. Soyons solides. Soyons unis.
pour dégager Sassou, pour faire bouger la communauté internationale. Ne reculons plus. Le moment est arrivé pour les Congolais de dire, de proclamer leur liberté, leur libération. Trop, c'est trop. Nous devons sortir notre pays dans les mains de ce sanguinaire Denis Sassou Nguesso. Nous devons sortir notre population. 9 mois sans salaire. Est-ce que lui, il est resté 9 mois sans pourtant avoir un sou pour nourrir sa famille? Non, les Congolais. Un jour, c'est trop. Nous devons nous lever. Nous devons faire la révolution. Nous devons nous battre pour notre démocratie. Nous devons nous battre pour notre justice. Nous devons nous battre pour notre liberté. Nous devons nous battre pour nous. Quelqu'un d'autre ne pourra pas venir se battre à notre place parce que notre souffrance-là est la nôtre. La souffrance-là est la nôtre. Nous devons nous battre. Mes chers compatriotes, vous savez, des fois, je me dis, je vais être bref, mais il y a tellement de choses que nous devons, que je vais faire. Il y a tellement de messages, des informations que je dois faire passer, que des fois, je passe, le temps passe et je ne me rends même plus compte que le temps passe. Je pourrais même rester là toute la journée en train de parler de ce qui se passe. Nous avons beaucoup de choses à discuter ensemble. J'ai beaucoup d'informations à vous faire passer, mes chers compatriotes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui tiennent des propos en disant que vous êtes là-bas, pourquoi vous ne revenez pas. Mais on ne peut pas faire un combat tous ensemble. Un combat doit avoir des stratégies. Où je suis en train de faire mon combat à ma façon. Quand je m'assois dans ma chaise devant mon écran à informer la population, à demander à la population de se lever, c'est mon combat à moi. C'est aussi un combat. Donc, mes chers compatriotes, levez-vous. Une chose encore, Sassou se lève pour dire, pour demander, pour parler de la paix, pour parler de... Mais dis donc, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Avant d'aller balayer chez le voisin, balaye d'abord chez toi. Avant d'aller éteindre le feu chez le voisin, éteins d'abord chez toi où ça brûle. Tu parles de la paix quand tu n'arrives même pas à maîtriser ce qui se passe chez toi. Tu parles de la paix quand tu tues ta propre population. Mais quel apôtre que tu es, toi? De quoi tu parles? Est-ce que tu sais ce que tu parles? Tu sais ce que tu sors de ta bouche? Ou tu le dis parce que quelqu'un t'a écrit un discours, tu viens, tu le lis sans pourtant que tu te rendes compte de ce que tu dis, mais c'est contradictoire ce que tu dis. Tu vas parler de la paix en Libye, chez toi là-bas il y a le feu, ça brûle, tu tues toute ta population, tu envoies l'insécurité dans les rues du Congo et tu parles des terroristes. Toumi, ce n'est pas un terroriste. Toumi se défend. Toumi se défend. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas se défendre si on vient t'attaquer chez toi. Toumi se défend. Banamboka. Toumi Azako se défendre. Toumi Azako se défendre. Mais Mokokwa se présentait. Pourquoi il s'est retrouvé en prison?
C'était un opposant. On nous parle de la démocratie. Dans quel pays au monde tu vois un opposant qu'on met en prison sans raison parce qu'il est opposant? On t'a élu. Pourquoi tu gardes les prisonniers politiques? Ta fille Claudia l'a confirmé qu'il avait visité les prisons du Congo, dont elle a même précisé les prisonniers politiques. Elle a bien précisé les prisonniers politiques qui sont dans les prisons sans pourtant qu'on puisse les juger jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a bel et bien une dictature. Il y a bel et bien une dictature au Congo. Mes chers compatriotes, je vous le dis, si on ne se lève pas, personne ne va se lever pour nous. Le Congo est endetté. 9 mois que les gens ne sont pas payés ou même plus. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les retraités ne sont pas payés. Les compagnies privées ferment. Le CHU, il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de stérilisateurs. Il n'y a rien au CHU. Même la pauvre dame qui a voulu venir faire une petite... Qui a voulu faire de l'ordre au CHU. Elle a été limogée. Elle a été limogée. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ils sont habitués à ce système de magouille. Ils ne supportent pas quelqu'un qui peut travailler avec l'honnêteté. La pauvre dame, c'est celle qu'on a limogée. On limoge une personne alors que tout ce monde-là est autour qui font de la magouille avec l'argent du contribuable, avec l'argent de l'hôpital universitaire qui manque une aiguille, qui manque tous les soins, qui manque tous les médicaments. On appelle ça l'hôpital universitaire, le centre universitaire, qui manque de tout. Centre universitaire de tuerie, centre universitaire de la mort. C'est comme ça qu'on devait l'appeler. Mais Sassou a de l'argent, quand il se déplace, il emmène toute sa délégation. Tout ça, il a peur que ce monde-là, quand il reste là, il y aura bien quelqu'un. Parce qu'il n'a même pas confiance aux gens qui l'entourent. Tellement qu'il a fait du mal qu'il a peur des gens même qui l'entourent, qui sont autour de lui. Il ne peut laisser personne parce qu'il veut les contrôler. Mais Sassou, ton moment est arrivé. Si Kadhafi est parti, comment il est parti? Toi, tu partiras. Moubarak est parti, comment il est parti? Toi, tu partiras. Blaise Compaoré est maintenant réfugié, je ne sais pas où. Toi, tu seras la même chose. Et ça, justement, le peuple congolais veut que tu pars avec les honneurs. Mais tu t'entêtes. Mais nous allons te faire partir. Le peuple congolais te fera partir. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Et sur ce, je te dis que tu partiras. Tu partiras. Retiens bien ce que je te dis aujourd'hui. Le ventre affamé n'a point d'oreille. À 5 milliards de dettes, alors que la population souffre, où est passé cet argent? Soit disons qu'il y avait une réserve pour la jeunesse.
cette réserve-là est où? La rentrée, les écoles n'existent pas. Pourquoi nous sommes endettés? Plus endettés que d'autres pays africains. Plein de pays, nous sommes en tête. Mes chers compatriotes, je vais quand même regarder mes notes pour essayer de vous dire de ne pas trop exagérer de votre temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'être prudent. Le pasteur Toumi, soyez prudent, parce que les sages que Sassou est en train d'attirer vers lui, c'est pour vous vendre, c'est pour vous trahir, comme il sait le faire. Il va essayer de leur donner des petits sous, et ces gens-là vont chercher, ils vont savoir où vous êtes, et c'est les mêmes qui vont vous vendre auprès de Sassou. Donc soyez très vigilants, le pasteur Toumi. Soyez très vigilants parce que nous avons besoin des gens comme vous qui résistent à Sassou. Il avait pensé que c'était une mince affaire qu'il était venu chercher dans le pool, mais maintenant il n'arrive plus à résoudre ça, il n'arrive plus à maîtriser la situation. Il est exposé devant le monde entier et il est lui-même, il ne sait plus quoi faire. Donc le pasteur Toumi, tenez bon, nous êtes en train de dispatcher les informations. Nous faisons circuler les informations. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est plus écouté, n'est plus respecté, n'a plus sa place auprès de la communauté internationale. Donc, ceci dit que ceux qui pensent que le Congo marche, il y a le courant, il y a ceci, ben, ils n'ont qu'à repartir parce que ces gens-là qui le disent, ils ne sont pas au Congo, ils sont à l'étranger. Et donc, laissez-nous faire notre combat où nous sommes, à la façon que nous pensons, toute façon où on peut contribuer à notre pays pour sortir de ce système, c'est déjà notre temps. Donc, on n'est pas obligé d'être au Congo. Nous sommes ici pour faire circuler l'information. Sassou qui invite les gens pour aller pour parler de la paix et qui commence d'abord le ménage chez lui. Qui commence d'abord le ménage. Quelle paix qu'il a déjà fait dans ce monde. En tant que président de la OUA, il n'avait jamais fait. Il n'a pas pu le faire, mais il va parler de la paix. Il va parler de terroristes, alors que lui-même, il est terroriste. Le vrai assassin, le président qui a plus tué au monde, hein, dans le monde, dans le continent africain, c'est Denis Sassou Nguesso. Faut pas l'ignorer. Si nous voulons le dialogue, je pense que ce dialogue-là doit se faire sans Sassou. Et le dialogue ne peut se faire au Congo, il doit se faire à l'extérieur. Et j'ai cru comprendre que Sassou, le 19 octobre, il y a l'assemblée qui va se faire au Congo et tout ça là. Boycotter cela. Boycotter cela, nous n'avons pas d'argent. La population est en train de souffrir. Mais ils trouvent de l'argent pour réunir ce monde, pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Et vous qu'il est en train d'inviter de sortir de la forêt, qu'est-ce qu'il vous propose? Qu'est-ce qu'il va vous donner? Si ceux qui sont déjà dehors ils sont en train de souffrir, ils n'ont pas de salaire. Qu'est-ce qu'il va vous offrir? Rien du tout. Donc ne soyez pas dupes. Faut pas qu'il puisse vous tromper à sortir et après de vous tuer. Ça devient du comme on appelle du trafic d'influence. Mes chers compatriotes. Je vous demande encore, épargnez la peur. Épargnez la peur.
pour libérer notre pays. Épargner la peur pour aller vers la démocratie et la vraie démocratie. Épargner la peur pour libérer notre pays, pour que la jeunesse puisse avoir un futur meilleur. Sur ce, je vais m'arrêter là, et je pense qu'on aura encore beaucoup plus de choses à se dire dans les jours à venir. Et mon combat, c'est le combat de la démocratie, le combat de la justice, le combat pour la libération de notre pays, le combat pour libre expression, le combat pour la paix, une vraie paix, et le combat pour la jeunesse congolaise. Vive la démocratie, vive le pool, vive la jeunesse congolaise, vive la justice, car je suis le pool. Je suis la voix du peuple congolais. Je suis la voix du peuple musulman. Je vous remercie.